Bienvenue chez Patito RC. Surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour rien rater, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti! Alors, on a fait le test de ce modèle à plusieurs reprises déjà. Il était décompressé. Je vous promets que je me suis régalé. C'est la première fois que je joue avec lui dans le fait de dire vraiment décompressé. Des gros virages serrés, des belles accélérations, vitesse de pointe, ça sert à rien de les refaire 500 fois. J'ai fait quand même quelques petits speedruns que vous voyez passer, mais je me régale vraiment avec ce modèle. J'avais le X-Max jusqu'à maintenant, que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Et je ne profitais pas assez celui-ci. Et je vous promets que c'est un régal. Le seul bémol, pour que je durcisse un peu plus les amontons, il est très souple pour ce que moi j'en fais. Mais si on veut faire des petits sauts réels, entre guillemets, ça suffit. Si on commence à faire des sauts un peu plus dynamiques, que la voiture n'est pas adéquate pour ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, là, je vais vous montrer le test que vous avez voir maintenant. Je ne sais pas si on le met avant ou après. Vous verrez comment ça va suivre. Et après la vidéo, vous allez avoir le jeu concours pour la machine et le second jeu concours pour le sweatshirt. Le super sweatshirt. Les deux en même temps. Parce que j'avais dit quand pour le sweatshirt, avant que la seconde vidéo sorte du Lasernut, je mettrai le jeu à gagner et il partira. Alors, j'ai pas eu le temps, les gars, parce que je bosse. C'est un peu compliqué, c'est dur. Je ne peux pas tout faire. Et là, il est assez tard. Et la vidéo, vous la verrez, vous, je crois, dans 2 ou 3 jours. Alors, comme ça, il aura le temps de partir. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Et regardez pour le jeu concours si vous avez gagné, les gars. C'est parti pour le jeu concours. Le jeu concours est fini. Regardez tous les noms. On va filmer. Et comme ça, vous les retrouvez votre nom. Vous mettrez stop. Comme ça, vous verrez votre nom gravé dessus. C'est le plus simple. Je retire celui-ci, j'ai retiré quelques-uns parce qu'ils n'avaient pas donné la bonne réponse. C'était très facile, c'était la gravité. Foulon gabarit. Je le retire parce qu'il a marqué en panne. Elle est en panne. Je n'ai pas compris. Le comble que c'est un de mes cousins. Alors tant pis. Là, vous voyez les gars, je mets tout ça là-dedans. La boîte est rouge. Je ne veux rien perdre.
pas celui-là, c'est celui-là, c'est... Putain, c'est quoi ce mot? Alors, pardon les gars, mais j'arrive pas à relire là, c'est quoi? C'est quoi ce mot? Verden Laden? Tu peux me le dire, je... Besten Laden. Besten Laden. Eh bien, Besten Laden, contacte-moi. Désolé, je peux me moquer les gars. Je vous jure de rire. Besten Laden. Bon, eh bien, écoutez les gars, contactez-moi, Besten Laden. Deuxième tirage pour le sweatshirt. Il y a les papiers ici. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre cela ici. D'accord. Alors, Besten Laden, on le met là. Le sweatshirt, il est là. Et les autres, non, sont ici. Alors, je vais faire juste une petite coupure pour les placer. Pour pas que ce soit trop long. Et à de suite. Les gars, je voudrais représenter mes excuses à Besten Laden. Je l'ai pas fait pour me moquer de toi. Rien de là. C'est juste que j'ai pris un petit fou rire, je suis fatigué. Alors regardez bien vos noms dessus, les gars. D'accord? C'est pour le sweatshirt. Vous voyez la boîte? Je vais essayer de préparer et me faire tomber. Je suis un peu catastrophe, je suis fatigué. Et là, on va touiller. On va touiller. Madauch. Ça veut dire quoi ce truc? Madara Uchiwa. Désolé pour vos noms si je les écorche, mais c'est un peu compliqué. Madara Uchiwa. C'est pour le sweatshirt. Il est là. Tu m'envoies ton adresse. Il part demain. Il part demain. Je ne veux pas le redire pour ne pas écorcher ton nom, pour ne pas que tu te fâches. Je ne le répéterai pas. Désolé. Tu me contactes, je te l'expédie, mais tu vas le recevoir dans une boîte à couche bébé. Désolé, j'ai pas d'autre carton. Le principal, que tu reçoives la machine. Machine complète, télécommande, récepteur, tout est neuf dessus, chargeur et batterie. Bon les gars, que Dieu vous bénisse à tout le monde, j'espère que vous êtes contents. Prochain jeu concours. Le produit, d'accord? Bon, mais laissez-moi dans les commentaires les gars ce que vous en pensez du Lozi, rappelez-vous. Dites-moi ce que vous avez pensé du style de musique et les coupures qu'on a fait. Ciao les gars.